Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour. Bienvenue. Merci. Je pensais que vous aviez promis changer la formule. Allez, salut à l'ami. Salut à l'ami qui se reconnaîtra. Laurent Roland, Tony Kess, ce matin, on démarre Ah avec. oui, vous parlez de celui qui Oui. est okay, d'accord. Oui. On démarre ce matin avec la vérité qui manquait, Honugbo, qui écrit dossier kidnapping du 12 août 2024, 12 août ou 12 septembre, à Lomé. Qui de Steve Amoussou ou frère Onvi en procès ce jour? Oui, qui des deux sera en procès ce jour? La justice du Bénin joue sa crédibilité à la criette, précise le quotidien. Oui, les gens ont tout fait de dire que Steve Amoussou, c'est frère Onvi. Frère Onvi, Steve Amoussou qui dit qu'il n'est jamais frère Onvi. Il n'est pas frère Onvi. Et qu'il apprécie très bien les chroniques du oui, frère Onvi. Il est un auditeur. voilà, un consommateur. Un consommateur. Des chroniques du des frère Onvi. Bon, maintenant, les acteurs politiques, il y en a qui étaient allés très vite en besoin en disant que Steve Amoussou était frère Onvi. Acteurs politiques et pas que. Quoique. Quoi que. Bon, oui, acteurs politiques et pas de monde. Mais la première personne qui a parlé a dit en 2016 qu'il était le premier opposant de Patrice Talon, donc c'est un acteur politique, même si... Bon, même s'il n'est pas réellement dans la sphère politique. Oui, mais il a dit qu'il est le premier opposant du chef de l'État en 2016. La première personne à avoir le courage de dire... Opposant dans les affaires, opposant non, aussi... Non, politiquement parlant, politiquement. Bien évidemment. Et donc, oui, aujourd'hui, est-ce que c'est Steve Amoussou qui sera devant le procureur spécial de la criette Marie Montmétan ou bien c'est frère Onvi? Frère Onvi. Puis donc... La justice jouera aussi sa crédibilité parce que si la justice a des éléments qui confirment que Steve Amoussou et ses frères ont vie, la justice va devoir peut-être en prendre les mesures qu'il faut, en tout cas. Maintenant, si c'est pas Steve Amoussou n'est pas frère ont vie, je crois que la justice aussi aura son travail à faire. Toujours est-il que nous allons souhaiter que ce soit un procès équitable, en tout cas, que la justice soit rendue et que justice soit rendue et que tout se passe pas pour... salir l'image du Bénin à l'international. La justice ces derniers temps est assez ébranlée par ces affaires d'État, malheureusement. Et donc, les acteurs judiciaires sont au cœur du débat maintenant, même au sein du débat politique. On est obligé de faire intervenir les acteurs judiciaires. Et il y va de leur intérêt de faire en sorte que celui qui est dehors ne pense pas qu'il y a une main derrière la justice béninoise. C'est très important. C'est en cela d'ailleurs que, enfin j'estime hein, que Dynamisme Info écrit ce matin, procès de Steve Amoussou à la criette ce lundi, vivement un examen impartial du dossier. Oui, vivement. Est-ce qu'il y a des craintes Oui, le problème c'est que... Le procès se passe. La première chose, moi je voudrais savoir, parce que en fait, quand vous suivez le premier procès qui a eu lieu, déjà avec les ravisseurs de Steve Amoussou, ils ont dit que c'est parce qu'il y a un certain... Quand vous oubliez, rappelez-moi ce nom-là, Barthélémy ou je ne sais quoi, là, qui serait à l'essayeur, qui dit avoir... Ah oui, le fameux opérateur. Opérateur économique. Économique qui aurait alors, été justement lésé. Alors, est-ce que le procès aujourd'hui serait un procès basé sur cette affaire ou c'est un procès basé sur les chroniques du frère Onvi? On connaît les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation sont connus. Oui. Donc, pas de harcèlement via... Il y a les réseaux sociaux. Non, c'est-à-dire, dans le premier temps, c'est ce qui avait été dit. Oui, oui. Parlant du Steve Amoussou, frère Onvi. Mais entre-temps, Steve Amoussou dit n'être pas frère Onvi. Mais entre-temps, il y a un autre procès dans lequel des gens qui sont allés le chercher ont dit qu'ils sont allés le chercher parce que quelqu'un leur a demandé de les aider à aller. Parce qu'il y aurait, il doit de l'argent, il devrait de l'argent à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, est-ce que le procès d'aujourd'hui va se baser sur la raison qui a amené les ravisseurs à aller le chercher et qui a amené la justice à les condamner, ou bien la justice maintenant laissera carrément ce dossier et va s'intéresser au premier, en tout cas chef d'accusation. Aux raisons pour lesquelles, justement, frère Onvi, prétendument Steve Amoussou, était recherché. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est la justice qui nous dira. Parce qu'en fait, il y a déjà une première chose pour laquelle, une situation pour laquelle on le recherchait, mais il se fait qu'après, les autres sont venus, en tout cas. Excusez-moi, j'allais dire inventer. Les gens sont venus dire... Mais non, vous n'oserez pas. Non, voilà. Vous n'oserez pas. Sur ce plateau, en tout cas. Les gens sont venus dire qu'il doit de l'argent à quelqu'un, c'est la personne qui les a saisis et que c'est sur cette base qu'ils sont venus chercher. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas sur quel tableau, maintenant, la justice va jouer aujourd'hui. Peut-être que le premier tableau serait déjà les premiers chefs d'accusation, notamment à ce moment-là, pas voir électronique, appel à soulèvement. Appel à l'insurrection. Voilà, appel à l'insurrection. Est-ce que c'est sur ça que la justice va travailler d'abord et puis après, ils vont travailler de l'affaire évoquée par les ravisseurs? Attendons de voir.
Attendons de voir, n'allons pas trop vite en besogne. La fille du jour estime justement qu'ici, on va trop vite en la besogne à faire beaucoup au Meki des condamnations avant le jugement. Oui, ce qui se joue est assez triste, triste, triste. Et pour la personne humaine, c'est assez triste. Et je le dis, je ne suis pas... C'est connu de tous. Pas proche d'Olivier Bocor, pas proche de Ozan Meki, je ne sais même pas, en tout cas, la couleur de l'argent qu'il donne aux gens pour faire du bien aux gens, je n'en ai jamais vu la couleur. Okay. Et donc, c'est pour vous dire que ce que je le dis en tant qu'être humain. Mm. Pour dire quoi? Quand je regarde les condamnations aujourd'hui de Olivier Bocor et de Ozan Meki, j'ai mal pour ces personnalités parce que malheureusement, c'est des gens que j'ai pu voir matin, Dynamisme écrit que des gens qui ont été sortis de la boue. Qui s'y mêlent également. Alors, je le dis parce que quand vous regardez un peu le dossier, j'ai pu voir un député de la 6e circonscription électorale prendre la parole et traiter les mises en cause de Judas. Aller jusqu'à dire que les Judas étaient à côté du chef de l'État. Non, en fait, j'ai eu mal pour ces acteurs politiques. Mmh. Et je dis, mais écoutez, est-ce que les gens sont conscients suffisamment de là où ils mettent les pieds? Parce que, écoutez, on parle quand même de Louis Bocor, on parle de Patrice Salon. Et on parle quand même de Ozan Meki, on parle de Patrice Salon. Et donc, au-delà de ce que la culpabilité pourrait être établie demain par la justice, totalement établie, parce que là, on a quelques éléments, c'est qu'il ne revient pas à un être humain de le traiter de cette manière. Et ce qui me scandalise, c'est que les mêmes acteurs qu'hier ont remis en cause une telle situation, notamment en 2012, a fait tentative d'empoisonnement et a fait atteinte à la sécurité de l'État, les mêmes qui ont remis en cause ça hier sont les premiers aujourd'hui à pouvoir condamner tout de go les autres. Et c'est ça qui me pose problème. Et je suis tenté de dire, ne soyez pas surpris que c'est les mêmes personnes-là, que vous voyez là en train de crier tout le temps, en train de tirer, en tout cas, tous azimuts sur Ozan Meki et Olivier Bocor, ne soyez pas surpris de les voir demain, vous revenez, vous dites pas le troisième mandat, vous faites la promotion du troisième mandat. Pourquoi? Parce que je prends deux exemples simples. Ce qui serait totalement anticonstitutionnel. Mais écoutez, Martin Corville a dit, la Cour constitutionnelle a dit qu'il n'a pas violé la Constitution. Vous pensez que quelqu'un d'autre ne peut pas le dire encore? Martin Corville a dit. Okay. Et quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a tranché en disant qu'il n'a pas violé la Constitution. Donc, sur ce débat-là, pardon, ne rêvez pas. Mais ce que veut dire quoi? Il y a deux députés que je vais citer, nommément. Et là, c'est moi. Nathaniel Sopoipé, député de la 6e circonscription électorale. Élu de justesse député, Benoît Degla. Vous vous rappelez de cette affaire où il avait été repêché en 2019, et en 2023 encore repêché. Les deux là, allez suivre leur déclaration. Parce qu'ils savent que la probabilité est forte que si peut-être il n'y a pas un maître à jouer pour les positionnistes et qu'ils pourraient être députés, ils le savent. Et c'est ça l'essence de la politique au Bénin. On s'accroche parce qu'en réalité, on vise quelque chose. On ne vise pas le bien-être de ses concitoyens, de ses compatriotes. On le fait parce qu'on a pu voir, Benoît Degla, son histoire on connaît, si on veut, on peut la compter sur ce plateau. Comment il a été ministre, comment il a continué avec Bonnier, et comment ça s'est passé la suite. Pour dire que je demande aux acteurs politiques de prendre du recul. Au-delà de ce qu'on peut témoigner sa compassion au chef de l'État, il ne revient pas à un être humain d'aller traiter les yeux de Judas avec les termes qu'on utilise. Parce que le BR a fait une déclaration. On voit Benoît Degla dans la 10e seconde aller faire encore une déclaration. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il a été repêché lors des dernières élections législatives de 2023. C'est clair. On a vu les résultats. Non? On a vu comment est-ce que c'est revenu. On a dû faire pas mal d'acrobaties pour qu'il revienne dans le giron, en tout cas dans le cercle des élus. Donc, quand on regarde tout ça, je demande aux acteurs politiques, surtout les jeunes, et c'est ça qui désole, des jeunes qui veulent s'y mêler et qui ne veulent pas faire attention. Et, écoutez, entre Patrice Talon et Olivier Bocor, moi, je n'oserais jamais mettre ma bouche dedans. Même si Patrice Talon me donnait à manger matin, midi, soir, je prendrais du recul, j'attendrais peut-être le venir de la justice. Et même si je dois me prononcer, il y a des mots que je dois faire attention. Pourquoi? Parce que le chef a dit, et je n'oublie jamais ça, il m'a vu nu, parlant de Olivier Bocor. Et au-delà de tout, il y a peut-être des choses sur lesquelles Patrice Salon n'oserait jamais que Olivier Bocor dure en prison.
Et pour, rien que pour ces faits, que l'autre va rappeler à l'autre, l'autre va rappeler à l'autre, il va se souvenir de ça, il se peut que cette affaire ait un dénouement heureux. Et dès lors que l'affaire a un dénouement heureux, vous qui vous agitez, qui vous prononcez, qui traitez les autres judas, vous serez où? Je n'oublie jamais cette phrase de cet homme politique que j'ai rencontré. Quand il y avait une situation, parce que un journaliste a mal parlé de lui, il m'a dit une chose. Il dit, il est bon de me critiquer aujourd'hui. Mais le chef de l'État et moi, on s'est vu quelque part. On se connaît, on a grandi ensemble. On a des choses à se partager. Le jour où on va se voir, se revoir après le pouvoir, vous êtes en train de manger, en train de faire de la promotion de personnes, vous, vous serez où? Vous serez vous. Donc, tout acteur politique qui profite de la situation actuelle, qui veut se jeter dedans, je leur dis, attention, notamment les jeunes, attention, ne mettez pas votre bouche dans tout. Parce que, rien que ce qui se passe maintenant, même les acteurs politiques autour du chef de l'État, encore, il y en a qui sont encore sceptiques. Je vous assure, il y en a qui sont très proches du chef de l'État, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, sont encore sceptiques. Il y a aussi des gens très proches de Olivier Bocan qui vont jurer tout le temps que, non, pas ça. J'ai pu voir quelques réactions assez courageuses de certains jeunes, de certaines organisations qui apportent le soutien à Olivier Bocan, mais sans pouvoir désavouer le chef. Ce n'est pas, c'est pas méchant, on peut le faire comme ça. On peut soutenir le chef, on peut aussi apporter soutien pour dire, par exemple, nous sommes contre la remise en cause de l'ordre constitutionnel, nous sommes contre le fait, et donc, par conséquent, toute personne qui se retrouvait sur le terrain, nous n'allons pas partager ça, ce n'est pas bien, mais le chef de l'État, nous lui apportons le soutien pour lui dire, nous nous soutiendrons jusqu'à la fin de ce mandat. Ce n'est pas méchant de le dire comme ça. Mais quand on va avec les mots que je vois, les expressions utilisées, je le dis et je le dis haut et fort, je n'ai rien à serrer avec Olivier Bocan. Je ne sais, d'abord, la seule fois que je l'ai vu, c'est au cours d'une réunion au Palais des Congrès, je l'ai vu se faufiler entre les couloirs en train de préparer la réunion pour son ami Patrice Talon, la seule fois. Et ce n'était même pas, c'était pas une réunion de la famille politique, c'est une autre réunion et ils ont été, j'ai été convié là, justement. Donc, pour vous dire quoi, il y en a aujourd'hui que je connais, et ils s'en sont conscients. Je sais très bien combien pas mieux étaient prêts. Certains étaient prêts à aller faire la couverte à Olivier Bocan pour bénéficier de sa grâce, mais qui aujourd'hui, malheureusement, sont les premiers à le lâcher. Les gens parleront de Ozan Meki également. Je pense qu'Ozan Meki également, au-delà de tout, c'est une relation de père et fils. À un moment donné, le fils a eu le courage d'affronter le père. Le père, c'est ton affront, ça, il faut l'avouer. Et ça, tout le monde sait que Patrice Talon n'aime pas l'affront. Tu oses l'affronter, c'est que tu payes cash. Donc, oui, là aussi, il se peut que le fils, pas à personne interposé, Amoussou Bruno est encore vivant. Amoussou Bruno est encore vivant. Ozan Meki est du Koufo. Même si entre-temps il avait offensé Amoussou Bruno, il a peut-être la chance d'aller d'appeler Amoussou Bruno pour de chercher à envoyer des gens par personne pour supplier Amoussou Bruno et demander pardon à Patrice Talon. Ça peut être réglé en famille. Parce qu'il continue de dire que c'est une affaire de famille. Nous devons faire très attention. Le potentiel parle ce matin d'hypocrisie, de reniement, de rejet, d'abandon, la psychologie du détenu éprouvée par de faux amis. Oui, il y a que c'est les intérêts qui guident. Vous allez voir pas mieux, peut-être il y en a qui, à qui Bocan avait peut-être avait rencontré une deux fois, à qui il a fait des promesses, qu'il n'a jamais fait. C'est possible, c'est possible. Tout ce qui se passe, on ne doit pas être surpris en réalité. J'estime que véritablement, les gens doivent pouvoir commencer par prendre de la mesure, de la hauteur, éviter au-delà de tout d'accuser pour accuser, condamner pour condamner, parce qu'ils ne sont pas la justice. Nous, nous faisons très attention de ne pas aller sur certains terrains. Et je recommande à tout acteur politique, tout jeune, qui veut prendre la parole dans ce dossier, de prendre du recul, de ne pas jeter des pierres pour jeter des pierres, mais de se dire, écoutez, là où je vais mettre les pieds, là, est-ce qu'en réalité, quand le revers sera là, j'ai rappelé toujours une histoire entre un acteur politique du Louémé et la rupture en place. En 2016, un jeune d'une formation politique du département de Louémé critiquait Patrice Talon de tous les noms. Antoine le traitait de tous les noms. Mais quand il a été élu Patrice Talon, en voulant composer avec certains acteurs politiques de la région, la première condition était de mettre de côté ce jeune. Côté ce dernier. Donc, tout jeune qui fait aujourd'hui, qui se prend. Parce que d'ailleurs, en fait, ce qui est bien dans tout ça, vous savez, Patrice Talon suit chacun d'eux. Et c'est combien certains parmi eux sont très proches d'Olivier Bocan, avaient bouffé avec Olivier Bocan. Ils voient comment ils les traitent et ils savent très bien alors que ces personnes-là, on ne peut pas leur faire confiance. En fait, c'est ça que les gens oublient en réalité. Tous ceux qui se prononcent là, qui traite Olivier Bocan de tous les noms, Omoké de tous les noms. Patrice Talon aussi a aussi son opinion là-dessus, la question. Il les observe,
Il dit, tiens, tiens, mais je te connais quand même proche de Olivier Bocan. Je sais très bien que c'est toi, c'est Olivier Bocan qui m'a parlé de toi. Mais pourquoi tu dis ça aujourd'hui? C'est un jeu de repositionnement, justement. Justement, et pour ça, le chef observe, le chef suit et comprend, et il doit comprendre que Patrice Talon, l'acteur politique résultat qu'il est différent de l'acteur politique Bouniaï, à qui on faisait ces jeux-là, ces jeux hypocrites, et qui, du jour au lendemain, devait dire, appelle-le-moi. Ah, il est bon, on va le nommer. Non, ce n'est pas ça avec celui-ci. Celui-ci, il vous observe, il rit, il rit. Il en rit, en fait, il dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Mais je sais. On faisait allusion, justement, la semaine écoulée, au fait que, eh bien, l'on fait aujourd'hui du yaïsme sous Talon. Ce yaïsme, finalement, risque de ne pas porter ses fruits. Oui, non. Les gens font ça, mais ça ne portera pas. Mm-hmm. Ça n'apportera pas, vous voyez. Soutien tous azimuts. Oui, non. Vous voyez, par exemple, le matin, disons, qui écrit ce député qui attaque tout le temps les démocrates. Mm-hmm. Moi, je dirais, si j'étais à la place de Badawassi, Rachidi, j'oublie totalement les démocrates. Je les oublie totalement. Je continue mes œuvres sociales que j'ai l'habitude de faire sur le terrain. Mm-hmm. Je continue d'aller au contact des populations. S'il faut que j'aille même voir les sages de parcours certains, pour leur présenter des excuses pour ce que j'ai fait par le passé, pour lesquels certains parmi eux m'ont retiré leur soutien pour donner toute caution, en tout cas au Parti démocrate. Je le fais. Et je le fais de façon discrète et même en étant, en tout cas, beaucoup plus davantage, beaucoup plus des citoyens aujourd'hui, de sorte qu'en 2026, que les démocrates soient surpris que je revienne je redevienne député. Mmh. Bon, si en temps, s'il a été positionné. Mais le drame ici, c'est que il attaque un parti avec à la tête un homme qui a été chef d'État, qui malheureusement pour lui... Dont il suffit proche. Et qui malheureusement est apprécié des paraquois et des paraquoises. Et dès lors que chaque fois il attaque, alors que les gens de cette région à un moment donné ont des choses à reprocher au pouvoir en place, quand tu le fais comme ça, tu te décrédibilises toi-même et tu te mets en difficulté. Donc le conseil que je donnerai à Rachid Gwansi, c'est d'oublier les démocrates. S'il veut redevenir député, s'il veut continuer à être cet acteur politique influent dans la commune d'Aboumé, de Parakou, pardon, de la 8e section électorale, qui travaille à aller davantage sur le terrain, faire du social, à aller rassembler les jeunes, vous voyez un peu. Et puis ça peut surprendre les démocrates, mais vous à cette allure. Ce matin, un conseil à un titulaire de chair politique. Non, il est titulaire de chair politique, on sait comment. Non, en fait, c'est que je lui dis ce qu'il faut sur le terrain politique. Parce que, oui, il est acteur politique, hein, averti certainement, mais il y a peut-être que ça qui lui échappe. Qui lui échappe. Il pense que c'est tiré tout le temps sur les démocrates qui va lui rendre service. Non. Ça va le défavoriser. Allez, pour finir avec ce dossier, Laurent Roland-Tonoïquès, le potentiel s'intéresse à la personne de Olivier Bocor, incarcéré pour une affaire dite de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Bocor, un rêve présidentiel sacrifié, l'usure du temps, l'épreuve redoutable. Oui, l'usure du temps, c'est un rêve présidentiel sacrifié. Et attendons de voir, parce que oui, rien ne dit totalement qui sera à cause. Rien. N'est-ce pas? Rien ne le dit. Ce n'est pas encore impossible. Ce n'est pas encore impossible. J'ai toujours dit, attendons l'issue de ce procès pour savoir si véritablement il sera en cause. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, donc, on ne peut pas dire qu'il est totalement en cause, qu'il sera ce représentant sacrifié. Parce qu'il peut redevenir, si entre-temps, il y avait une amnistie, s'il était condamné, qu'il y avait une amnistie, il peut sortir de prison. Un peu plus tard. Et sachant qu'il maîtrise très bien certains acteurs politiques, ne soyez pas surpris peut-être en son temps. C'est vrai que malheureusement, même si la parrainage, il faut que le parrainage soit co-signé par le président du parti. Et lequel président du parti se retrouve être aujourd'hui, comment vous appelez, Joseph Benoît, qui aussi, entre-temps, a des ambitions. Des ambitions. Peut-être qu'avec cette situation, il va cacher un peu ses ambitions, parce que lui-même n'y comprend pas peut-être grand-chose, en réalité. Vous allez voir que depuis quelques jours, les quelques ambitions qu'on a commencé par avoir du côté de la mouvance, tout le monde est resté silencieux. Parce que personne ne sait. Il y a panique à bord. Voilà. Il y a panique à bord. Donc, parce que personne ne maîtrise réellement ce qui se passe. Personne pas mieux. C'est vrai que chacun d'eux aura une version, soit de la partie du chef de l'État, ou soit du commandant de la garde républicaine, ou de la justice, selon leur proximité avec les différents acteurs. Mais il y en a même si le chef les faisait asseoir ici et leur disait c'est vrai, je parie que certains parmi eux vont dire, quand ils vont rentrer, ils vont dire, cette affaire-là, ce n'est pas clair. Donc, ce qui fait que les quelques agitations avec ambition présidentielle qu'on voyait il y a quelques jours, tout le monde, il y a séance radio, on attend de voir
Attention, si c'est Olivier Bocco, on va voir comment ça va finir d'abord avant de pouvoir continuer à s'agiter. Mmh. Donc, à ce niveau aussi, c'est un problème. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'estime que Olivier Bocco, pour le peu de temps qu'il a fait aux côtés de Patrice Talon et pour la maîtrise de certains acteurs politiques, ce n'est pas encore totalement plié. Allez, ce n'est pas encore totalement plié, dites-vous, Laurent Roland-Tonin. Ce n'est pas non plus encore totalement plié pour les présidentielles, sinon la présidentielle de 2026. Dynamisme Info en parle à sa une ce matin. LD, donc les démocrates, un bon casting pour faire ranger la rupture, estime le quotidien. Oui, véritablement. Si les démocrates, les démocrates veulent vraiment conquérir le pouvoir d'État comme ils le souhaitent en 2026, il leur revient de faire un très bon casting. Un mauvais casting, c'est un échec, déjà, en tout cas. Parce que pour la présidentielle de 2026, étant donné qu'ils sont le seul parti d'opposition à pouvoir présenter un candidat, avec le nombre de parrainages requis, il se peut que... Le seul parti d'opposition jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Bon, vous faites bien de le dire. J'aime bien quand vous rappelez, vous revenez sur certains détails de nos émissions. Oui, pour le moment, le seul parti d'opposition. Oui, parce que je l'ai dit aux premières heures de cette affaire pour dire, une autre opposition peut susciter de la mouvance. Et cette opposition susciter de la mouvance peut contribuer à créer une autre opposition qui peut venir damer le pion aux opposants actuels. Donc, vous faites bien de le rappeler. Donc, pour dire, pour le moment, oui, le seul parti d'opposition qui peut présenter des candidatures. Et c'est pour ça que vous comprenez clairement que Olivier Bocco n'est pas totalement encore hors course. Si entre-temps, il sortait de prison, il était innocenté, il n'y a qu'une opposition qui peut être suscitée. Par exemple, j'ai pu voir, certains jeunes de la mouvance disent, il n'y a pas aujourd'hui, je ne suis plus de la mouvance, je suis opposant. On en a entendu. Voilà. Effectivement. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, pour dire que les démocrates aujourd'hui doivent pouvoir travailler. D'abord, je l'ai toujours rappelé, ils doivent pouvoir se battre sur le terrain, mouiller le maillot, pour être sûr d'avoir convaincu le maximum de Béninois. J'ai coutume de dire toujours, on a plus de 2 millions d'abstentions en 2023. Mais il se fait que de 2023 à aujourd'hui, nous avons les jeunes de 15 ans, de 16 ans et de 17 ans, et qui seront des votants aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans en 2023, 18 ans en 2026, 19 ans, 20 ans. Et ces jeunes n'avaient pas voté en 2023. Et donc ces jeunes s'ajoutent à maintenant le haut taux d'abstention. Donc il faut aller au niveau de ces jeunes des universités. Les convaincre davantage de la nécessité de travailler. D'aller voter maintenant. Voilà. Après ça, quand ils font finir de faire ce travail, il faut des candidats qui font l'unanimité au sein de ces formations politiques et qui seront aussi appréciés par les autres courants de l'opposition qui n'hésiteront pas à apporter leur soutien. Le mauvais casting va être fatal pour eux et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, étant donné qu'ils réfléchissent toujours à conserver le pouvoir d'État, soit ils conservent le pouvoir d'État ou soit l'opposition qui sera enfin suscitée au sein de la mouvance peut devenir le troisième larron. C'est pour ça qu'ils doivent vraiment revoir leur copie. Revoir donc leur copie, même si nous sommes à quoi, 2 ans ou un peu moins, Laurent Roland-Tonin-Caisse, mais jusqu'à présent, rien de concret. Oui. Pour ce qui est donc peut-être de la carte à jouer par l'opposition, dans le cas de cette présidentielle. Oui, malheureusement, quand on regarde un fait. Au moins au niveau de la mouvance, on sent quelques velléités, on sent quelques-uns s'afficher. Oui. Même l'acteur politique qui s'est donné en. Faisait beaucoup de dons dans les communes. C'est vrai qu'on a plus. Oui, c'est vrai que depuis 2-3 jours, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Donc vous voyez un peu. Peut-être qu'il est occupé de l'autre côté de l'hôtel de ville. On se pose des questions parfois. Comment il fait? Attention. Comment il fait pour faire tout ça? Ah oui, c'est possible. Son cabinet travaille forcément. Non, ce qui est sûr, les démocrates, quand vous regardez un peu l'écosystème politique, vous regardez les acteurs, différents acteurs du. Excusez, je me pose la question de savoir quel acteur aujourd'hui, premiers qu'on a en vue là, est-ce que qui parmi eux peut être facilement faire de l'unanimité déjà au sein de la formation, puis après au sein de la population. Donc, il se peut que le candidat du Parti des démocrates ne soit pas peut-être celui qu'on voit au premier plan. Et que ce soit quelqu'un qui est tanké quelque part, qui sont en train de préparer à nous présenter. Peut-être. Parce qu'il y a certains acteurs qui sont au premier plan. Je me pose la question de savoir s'ils sont
positionne comme candidat, est-ce que ça fera l'affaire ? L'affaire, justement. On se pose la question. Je leur rappelle peut-être ce que Patrice Talon aurait dit, ou bien a dit, hein, aux acteurs politiques, quand il les a rencontrés quelque part, il leur disait, je peux vous assurer que le président de DMC n'est pas parmi vous. Il n'est pas de la salle. Donc, pas de la salle. Voilà, donc peut-être que lui aussi prépare quelque part, quelqu'un à nous sortir. Et donc, les opposants aussi doivent pouvoir travailler peut-être davantage. C'est vrai que moi, j'estime qu'ils doivent pouvoir commencer par faire des essais. C'est ça. Mettre les gens devant pour voir la réaction. Qu'est-ce que ça... Parce que le pouvoir, l'équipe en face, a cette capacité de vous nuire. C'est ça. À la dernière minute. C'est-à-dire, autant mieux nous sortir des éléments pour qu'on peut-être que les gens aient une idée claire. Et que s'il y a des cadavres dans les placards, que les gens puissent commencer à en parler pour qu'ils puissent essayer de passer le chiffre dessus, régler ça plutôt que de sortir quelqu'un, peut-être à 6 mois des élections, et qu'on attend 3 mois des élections pour sortir des dossiers et que la personne soit foreclos. Après, tout à l'heure, on faisait allusion à la possibilité d'une amnistie, justement. Si amnistie il y a et que possibilité s'offre. Enfin, dans le cas où il y a condamnation pour Olivier Bocor et Omeki, qui a amnistie derrière, donc possibilité s'offre pour ce dernier, notamment d'avoir le soutien de l'opposition. Pas de l'opposition forcément, de se présenter en tout cas donc à la présidentielle. Possibilité pourrait également s'offrir donc aux autres qui pourraient bénéficier de cette amnistie, de se présenter et donc sachant de quel bord. Ils sont... De quel bord l'une des personnes... Vous suivez mon regard. Oui. Il n'est pas possible, donc, finalement, ces personnalités-là... C'est une carte à jouer. ...se retrouvent candidats de l'opposition. Oui, c'est une carte à jouer. C'est possible. Et là, oui, disons que... Mais cette dernière pourrait faire l'unanimité. Question d'amnistie... Pourrait faire l'unanimité. Je suis d'accord. Mais question d'amnistie aujourd'hui, c'est... En fait, c'est un rêve qui peut ne jamais être... concrétiser, sachant ce qui est là, parce que le pardon peut être une faute. Bien sûr. Ne l'oubliez pas. C'est encore présent dans les mémoires. Voilà, c'est donc encore ne l'oubliez pas, ne rêvez pas. C'est un souhait de tout béni, à tout citoyen. Mais au fond, il vaut mieux ne pas totalement tabler sur ça. C'est ça. Et tabler sur d'autres stratégies, se préparer. Moi, je le dis, les opposants à Patrice Talon ne comprennent peut-être pas la dynamique de Patrice Talon. Si vous l'attendez sur un terrain, que vous passez votre temps à vous concentrer uniquement sur ça, c'est que vous êtes surpris. Le mieux pour vous, c'est que vous demandez quelque chose en même temps, vous préparez un plan B. C'est ça. Et comme le dirait une femme politique, elle se reconnaîtra. Elle prépare un plan A jusqu'à Z. C'est ça. C'est toujours mieux, en tout cas. Comme ça, on ne se fait pas surprendre. Sur la question, justement, Laurent Roland-Tonnet, qu'est-ce avant que je ne l'oublie, cette adresse de la présidente du Parti Renaissance Nationale, allez, c'est en lien avec, toute la tension qu'il y a donc, dans le pays ces derniers jours. C'est le quotidien L'Indépendant qui relaie l'info ce matin. Regard critique sur l'avenir du Bénin. Claudine Prudentio invite les Béninois à l'unité. Oui. Aujourd'hui, les Béninois ne se parlent pas. Ceux qui pensent que, quand je dis qu'il y a une crise politique, pensent que j'exagère. Oui. Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous ne comprenez pas la réalité. Mais quand vous avez la chance de rencontrer différents acteurs, c'est-à-dire de vous amuser à les écouter, il y a matière à se poser des questions aujourd'hui au Bénin. Vous côtoyez des acteurs politiques de l'opposition, vous les écoutez. Vous écoutez même des gens de la mouvance qui disent soutenir le chef de l'État. Vous les écoutez, vous constatez qu'il y a un problème. Ce qui se dit devant caméra et micro, c'est autre chose. La réalité, il faut aller les voir dans les coulisses, il faut aller les voir dans leur maison. Il faut aller les voir dans des restaurants, dans des hôtels, dans des lieux assez occupés. Vous allez les écouter. Asseyez-vous, faites l'indifférent. Écoutez, il m'arrive parfois de m'asseoir et de regarder les gens, peut-être la tête baissée, les gens ne peuvent pas identifier, mais je reste là, les gens parlent. Les Béninois, les opérateurs économiques parlent. Les acteurs, les artisans parlent. Les fonctionnaires d'État parlent. Il y a un problème. Nous devons nous asseoir et parler unité nationale. Nous devons nous asseoir et parler développement. Oui, il y a un développement qui est amorcé depuis 2016. Mais ce n'est pas une seule personne qui le fera. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps.
Rappelons-nous que nous sommes filles et fils de ce pays et que nous devons nous voir ensemble. À l'aller où vont les choses, il y a un clivage qu'on observe. Et ceux qui veulent être honnêtes vont comprendre, vont être honnêtes et dire qu'il y a un clivage. Ceux qui veulent être hypocrites vont vous dire que rien ne se passe, non, foutez le camp. Le monsieur est en train de travailler. Oui, tu travailles. Mais dans ces conditions de clivage, ce n'est pas bon pour nous. Parce que c'est souvent le terreau fertile aux crises, aux tensions. Mmh. C'est vrai que des crises et des tensions, ben, on en connaît depuis peu. Laurent Roland, Tony Kess. Dans un autre registre, c'est plus gai. Ici, heureusement, le potentiel donne à savoir, bien qu'entre tradition et modernité, le génie béninois est mis en lumière à Paris, exposition Révélation Art Contemporain du Bénin. Macron et Talon ont présidé vernissage. Oui, c'est une bonne chose. Le Bénin à l'international se révèle, notamment sur le plan de la culture. Hein. Mmh. Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe au plan international dans notre pays, notamment la promotion de la culture, le chef de l'État sont vraiment a dit qu'ils vont révéler le Bénin. Et donc, sur certains aspects quand même, hein, il faut avouer que le Bénin est quand même révélé, même si sur d'autres aspects, on n'est pas totalement d'accord. Uh-huh. Donc j'estime que oui, c'est à saluer cette initiative et continuer à remercier. Parce que ce sont nos artistes en réalité qui sont mis en valeur. Et j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours une artiste plasticienne du Bénin. Dans le cadre d'un travail, je devais faire un exposé et présenter. Et puis, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle dit, mais avant 2016, les artistes plasticiens n'étaient pas pour autant connus. Et les gens ne donnaient pas pour autant de valeur à nos tableaux, à nos œuvres. Mais depuis 2016, avec la dynamique insufflée par le pouvoir en place, il y a de plus en plus de respect pour les artistes plasticiens. Nos tableaux sont beaucoup plus, nos œuvres sont beaucoup plus prisées et valorisées. Et donc, moi, ça me permet de pouvoir gagner à partir de ce que je fais. C'est ça. Donc, je crois que c'est une chose à saluer. On ne peut pas citer le nombre de fois il y a vernissage au niveau de certains, en tout cas, de l'Institut français ou même au niveau de la présidence de la République, au niveau de certains ministères, même notamment le ministère des Affaires étrangères. Le grand rôle a toujours servi, en tout cas, servi le plus souvent pour le vernissage. Et j'ai pu voir, dans certains, aujourd'hui, de plus en plus, des Béninois ont l'habitude maintenant d'avoir des tableaux, des œuvres d'art dans leur salon, dans leur bureau. Ça a changé, cette manière de ne pas trop considérer les œuvres d'art par le passé. Donc j'estime que, oui, pour ça, quand même, on peut remercier le chef de l'État. Le féliciter. D'abord, c'est un consommateur, hein, quand vous allez, vous avez la chance de voir comment il se comporte avec les œuvres d'art. Attention, c'est un vrai collectionneur. J'ai rencontré quand même cet artiste redoutable, en tout cas international très respecté, avec qui j'ai eu la chance d'échanger un jour à Beaumé, qui me dit clairement, écoutez, quand il vient chez vous, que vous êtes artiste passé, mais quand même, vous devez être en joie, parce que c'est un collectionneur qui sait apprécier l'œuvre d'art. Donc, quand c'est comme ça, il faut apprécier, il faut vraiment encourager le gouvernement à faire davantage pour révéler. Il y a, j'ai pu voir l'annuaire des artistes plasticiens au Bénin. Il y en a tellement au Bénin, mais malheureusement, qui sont inconnus du grand public et parce que les œuvres ne sont pas consommées. Si davantage la promotion est faite que les œuvres sont consommées, les artistes plasticiens vivront de leur art. Laurent Roland-Tonnikès, on ne finira pas sans dire un mot de sport, puisque je pense qu'on en parlait la semaine écoulée. Il y a une discipline dans laquelle le Bénin est capable, une discipline sportive, hein, dans laquelle le Bénin est capable de battre la France, de battre la Belgique, de battre le Togo en demi-finale. On a fini. Vice-champion nous informe, j'ai eu l'information à la une d'un quotidien. Vice-champion. Nous sommes dans le Maracana, notamment. Mahamonde, justement, Abidjan 2024, le matinal en parle, le Bénin vice-champion. Oui, vous pensez que ceux qui ont joué au Maracana, on peut les prendre pour aller jouer le football? Mais on ne parle pas football, on parle Maracana, justement. D'accord, donc là, on parle Maracana. Le Maracana, c'est une discipline dans laquelle le Bénin est capable de battre la France. Oui. OK. Je pense 8 buts à 1. La Belgique, 7 buts à 5, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, match nul avec le Togo. On finit donc en phase des tirs au but et on gagne. Depuis la semaine passée. On se retrouve en finale. Non, parlons-en. Depuis la semaine passée, je vois comment vous êtes tellement, vous en êtes tellement fiers. Oui, parlons-en. Pas moins que moi. On n'en parle pas assez, je pense.
Non, mais moi, j'estime véritablement que... Je crois que vous avez reçu justement sur ce plateau oui, le président de la Fédération. Mais oui. Voilà, donc parlons-en. Non, je félicite quand même. Invite. Bon, enfin, je ne sais pas s'ils sont déjà rentrés, qui passent vous voir dans le courant de la semaine. Non, le président viendra, c'est sûr. Voilà. Je vais peut-être l'appeler au jeudi ou demain pour voir que ça se voit. D'ici le jeudi. Qui vient nous faire le point de cette tournée. C'est passé là-bas. Oui. Non, toujours avec les trophées. Non, toujours est-il que, je le dis, il faut vraiment féliciter le président de la Fédération de Maracana. Mm-hmm. Parce qu'avec cette longue période de crise où il y avait un bicéphalisme à la tête du Maracana béninois, et puis après on a pu mettre, l'honorable Victor Topanou, prudent Victor Topanou, comme président du comité de normalisation, président du CONOR, et puis qui est resté là, qui a fait ce qu'il peut. Et puis avec ça, au moins avec le CONOR, ils avaient organisé le championnat d'Afrique de Maracana à grand propos. Mm-hmm. Et donc on a pu voir le Bénin faire aussi des prouesses à ce niveau, malgré la crise. Et donc, quand aussitôt l'élection faite, lui portait, le nouveau président portait à la tête de la fédération, il n'a pas du tout perdu du temps. Hein. Il est allé au travail très, très rapidement. Je l'ai surpris en train de parler un jour, le jour où il devait faire le championnat au campus, appeler les gens, faire des instructions. Quand il était venu, il sortait, il faisait donner des instructions, faire ci, faire ça. J'ai vu comment il avait envie de révéler le Maracana béninois, comment il avait envie d'avoir des résultats. Et je crois que c'est à saluer. C'est un jeune, voilà. C'est un jeune comme ça. C'est ça. Pas des jeunes qui se lisent en politique tout le temps, couvrent, se mettent dans la bouche, la gueule des politiques. Il faut être utile quelque part pour son pays. Il l'a fait, il l'a démontré. Et donc, toutes ces personnes qui sont présidents de fédération, je dis oui, ce président nous montre l'exemple. Nous avons la possibilité de faire mieux. C'est Parce ça. Que s'il a été élu en moins de 5 mois et qu'il va là-bas avec un championnat mondial et qu'il en arrive. Il a fini vice-champion. Vice-champion quand même. Hein. Voilà. Je crois que c'est à saluer, c'est à encourager. Maintenant, vivement que l'État leur donne les moyens également, parce qu'ils n'étaient pas pour autant derrière. C'est vrai que l'État a pu mettre quelques moyens à leur disposition quand ils ont voulu organiser le championnat national, mais j'estime qu'aujourd'hui, il faut leur donner toutes les disciplines dans lesquelles le Bénin excelle. S'illustre, notamment la pétanque. Concentrons-nous sur ces disciplines, en fait. Et laissons les autres dans lesquelles on n'arrive pas moi, je pense qu'il faut à s'illustrer malgré tous les moyens qu'on y met. Je pense qu'il faut revoir leur cagnotte en réalité. Il faut revoir leur cagnotte, les assister davantage. Et puis après, je continue de dire que pour le football béninois, par contre, à ce niveau, je pense qu'il faut repartir de la base. Oublions le football. Laurent Roland, ton inquiétude. La Nouvelle Gazette pour finir, Laurent. Criette, un policier municipal jugé pour une affaire de 300 francs, c'est ça? Oui. Malheureusement, c'est des affaires comme ça qu'on apprend. Pour 300 francs, le gars est jugé maintenant. Mais il y a les gros voleurs. Parfois, le dossier est dû. Carlos Adoran, là, affaire obscure, celle-là. Non, moi, je pense que... Oui, malheureusement. Et puis là, j'ai pas lu l'article. Parfois, vous allez voir quelqu'un voler au mouton ou un coq en prison pour 3 ans ou 2 ans. Bon. C'est la criette qui... La justice. Enfin, oui, c'est... Qui connaît le dossier. C'est infraction économique. C'est 300 francs. Bon. Oui, ok. On passe justice, justement, mais vraiment pour finir cette fois. Carnet noir, l'ancien ministre de la Justice, Gustave Adani Kassa, n'est plus. Oui, un célèbre ministre. On l'a vu, hein. Paix à son âme, repos éternel à l'illustre disparu du temps. Des condoléances à sa famille biologique et à sa famille professionnelle, politique, pour papa. Merci à vous, Laurent Roland, ton inquiétude.